Bonjour à tous, donc je vais vous faire un nouveau tour. Je vais me servir de Jérôme Et bonjour. pour choisir. Tu vois, c'est bon? On va un peu tourner Attention que ça tombe pas. avant que je fasse un massacre. Attends, mais quand on voit, c'est Voilà. ça? Non, mais autrement, je sais ce que tu vas faire. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Donc ce tour s'appelle le hasard. Alors, le hasard, il y en a qui disent le hasard n'existe pas. Rien n'arrive par hasard. Ou même, le hasard fait bien les choses. Donc on va voir si le hasard fait bien les choses. Écoute-moi bien, Jérôme. Dans ce jeu, j'ai une carte favorite. D'accord? Ok. Comment dire? Elle est de différentes couleurs. D'accord? Moi, là, c'est un jeu bleu. Mais pour qu'on puisse la reconnaître, j'ai mis de différentes couleurs. Je te dis pas ce qu'il y a marqué dessus pour pas t'influencer. Et je te dis même pas la couleur aussi pour ne pas t'influencer. D'accord. Parce qu'on parle du hasard. D'accord? Donc si après on t'influence, ce n'est plus le hasard, c'est, tu vois. Donc tu as le choix Donc il y a une entre. seule carte, deux dos différentes. Exactement. Ok. Je ne dis pas quoi, je t'en Ça parle à va. l'avance. Tu as le choix entre le vert, le jaune et le rouge. Tu vas choisir un dé de la couleur que tu choisiras. On va jouer avec celui-là, les deux autres, on les enlèvera. Mais soit, par exemple, tu vas au hasard, tu fais comme ça et t'en prends un. Ouais. Soit, par exemple, tu penses à un chiffre, tu jettes et s'il tombe sur un des trois, tu le prends. Soit, tu choisis vraiment le chiffre que tu as envie, si tu veux vraiment aller contre le hasard. Parce qu'on parle du hasard aujourd'hui. Eh ben non, on va faire le hasard. Tu fais comme tu veux. Donc là, je choisis qu'un dé. Un dé. De la manière que tu as envie. Talan, 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 talan. Donc apparemment tu veux pas le rouge. Tu veux pas le vert, c'est ça? Non. Donc, Tu peux je veux changer, le hein. jaune. Et si à la fin le hasard te plaît pas, tu peux encore changer. Non. Non? Je reste avec le hasard. On supprime. Tu aurais pu choisir rouge Voilà, tout à ou fait. vert ou jaune. C'est moi qui ai éliminé 2D, il n'y a pas de souci. Je garde le jaune. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette couleur-là, j'aurais pu y penser? J'aurais pu la prévoir. Si j'aurais pu la prévoir, c'est plus le hasard. C'est vrai, une chance sur trois. C'est une chance sur trois. Mais maintenant, il va falloir choisir un chiffre. Donc, soit tu jettes et tu choisis le chiffre au hasard, soit tu jettes, il te plaît pas et tu changes quand même. Tu fais comme tu Non, veux, tu choisis un chiffre. on va continuer avec le hasard. D'accord. Tu veux l'un? Non. Non. C'est C'est toi qui vois, moi j'attends. pour voir comment ce que tu voulais faire. Alors, moi j'attends que tu me dises le chiffre Ah parce ben que. non. Ah ben alors je vais en faire un moi. Vas-y. Je vais. Ça veut dire qu'on peut changer, on peut faire Eh comme on ben. veut. Je vais faire. T'avais 1003, hein? Le 5. Il a tourné en plus, hein? D'accord. Attends. Ben non, de toute façon, je peux choisir Alors. celui que je veux. Oui? Ah ben alors, je veux. Donc, effectivement, il n'y a pas de dépipé, hein, tous les chiffres. T'as tous les chiffres. Yes. Parce que je te montre quand même mon jeu aussi, que je t'ai pas Non, montré. ça va. Hop. Avant de l'étaler, je ne vais pas l'étaler. Tu as choisi 5? Oui. D'accord. Moi, je te dis à l'avance, c'est quoi? Ma carte favorite, c'était le 5 de cœur. C'est ma carte préférée. Toi, je crois que c'est Moi, c'est le 4. le 4 de cœur. Donc, tu as vu, tu peux remarquer qu'il y a 50 de cartes. Il n'en manque pas, où il n'y a pas des doubles. D'accord? Est-ce qu'il y en a au moins 52? Ouais, tac, tac, Ça, je tac, sais tac, pas, tac. mais en tout cas, il y en a plus Il y que en a beaucoup. 52, parce que s'il y a les jokers, ça fait 53. Ouais, il n'y a qu'un Si joker, l'autre, je l'ai enlevé. S'il est complet, ça fait 53. Hop, il est là, l'autre, on peut le rajouter. Tiens. C'est Je peux bon? me permettre? Ouais, c'est ça qui est bien. Au premier coup d'œil, il n'y a pas de duplicata, il n'y a pas de. Donc, toujours est-il, c'est que ma carte favorite, je te l'ai dit, c'était le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Je sais pas si c'est le hasard, je sais pas si c'est quand même une carte favorite, donc on n'y peut rien. Maintenant, j'ai marqué quelque chose derrière. Je te la laisse dépasser. Hop. Toujours ici, 5 de cœur. Et il y a marqué, ton choix sera. Et en plus, une carte jaune. Mince, c'est une carte jaune. Jaune, jaune. Joli. Le hasard fait bien les choses, C'est j'imagine. vrai. Et là, il y a marqué, ton choix sera. Sera quoi? Sera le Ah, le 5. jaune. Le jaune. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi une carte favori jaune. J'aurais pu choisir bleu, vert Sur une et. carte jaune en plus. Mais en plus, j'ai marqué jaune parce que je savais. D'accord? Bien vu. J'aurais pu prendre le 10 de trèfle, violette, Mais mais il y oui, aura la quand même carte marqué était jaune. rouge et ton choix sera le jaune. Mais là, en plus, la carte est jaune. Ah.
Bien. Et en plus, le 5, et moi c'est le 5. Oh, coïncidence ou coïncidence? Je peux plus changer. Non, mais non, non. Par contre, il y a quand même marqué quelque chose, on va continuer. Que tu choisiras aussi moi, le j'ai chiffre vu. 5. Tu peux la sortir? Oui, tu peux la sortir. Là, c'était pour le suspense. Oui, d'accord. Bien. Ah. Et là, tu te dis... Ça ne s'efface pas. Peut-être qu'il y a plein de cartes jaunes dans mon jeu. Ou non, de... ça, c'est une certitude et que on non. Et peut étaler. Tout le jeu est bleu. Alors, et la seule carte, jolie. Vraiment jolie. C'est ça qui est fou, c'est que tu aurais pu choisir du rouge, ben, j'aurais pu du choisir vert. Du rouge, du vert. J'aurais pu choisir, effectivement, si j'avais laissé comme tout à l'heure le 1, comment tu t'en serais sorti? Bien. C'est ça. Alors la question c'est... Pas de carte duplicata? Non, tu peux y aller. Donc là c'est... Je sais comment bien évidemment fonctionne le tour, mais c'est les questions que vont se poser les gens, donc je les pose avant pour que tu puisses dire des vraies réponses, ouais. Et pas des non et c'est pas vrai. Donc c'est bien, parce qu'effectivement il n'y a pas de carte duplicata, donc c'est ça qui est intéressant. Donc comment c'est possible? Donc le hasard joli. Fait bien les choses. Maintenant... C'est très très beau. Moi, je dis qu'avec toutes ces coïncidences que les magiciens font, si le hasard, parce qu'il y a toutes ces coïncidences faites au hasard, si le hasard avait déposé un copyright, eh bien, il serait devenu très riche. Parce que nous, les magiciens, on en fait des choses par hasard. Alors, bien ou bien? Bien. Eh bien, voilà. Très beau tour, très simple à faire en plus. En plus. Alors, Jérôme a d'autres façons de l'amener. Il vous le fera dans l'explication. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je me suis... alors vous allez dire, ça se rapproche... Donc toujours, c'est toujours ta carte favorite alors du coup. C'est comme ça. Donc si je le refais à quelqu'un d'autre, il prendra aussi le jaune. Donc, pas tout équivoque. Non, pas tout équivoque. Tu choisiras vraiment ce que tu veux. Les gens vont sûrement penser que effectivement, si c'est la seule carte du jeu, et tu l'as bien montré, que c'est pas un forçage ni un choix équivoque, n'importe quel dé, n'importe quelle couleur et n'importe quel chiffre peut être choisi. Sorti. Et on aura toujours... une sortie qui sera aussi belle que celle-ci. C'est-à-dire on sera toujours la même chose. On sera toujours la même chose. Alors bien sûr, peut-être pas la même carte, ou peut-être s'il y a une subtilité, ça je vous en dis pas plus, mais vous aurez toujours le même résultat, donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est bien, c'est que quand t'étale, on voit bien 52 et cartes. Ça, autant c'est vrai. D'un côté que de l'autre, on voit toutes les cartes en entier. Et très important, c'est pas du... Ça s'efface pas. Voilà, c'est pas des trucs où à la fin, quand on sort, si j'avais choisi le 4, il aurait effacé le milieu, par exemple. C'est pas ça du tout. Pas c'est ça, marqué, ça. D'ailleurs, c'est marqué. C'est pas nous qui le marquons, ça sera vous qui le marquera sur les cartes à jouer. Qui marquerait les cartes avec un stylo indélébile. Nous, on vous fournit les dés, voilà. On vous fournit le jeu, on vous fournit les pouvoirs, un petit peu de hasard qui va avec. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez me dire, ça se rapproche un peu de Roll, le nouveau tour qui vient de sortir. Donc, juste avant Roll, il y a eu... Non, on a le même visuel, c'est vrai. Il y a eu Dice Deception, c'était le premier Roll qu'ils ont amélioré avec le Roll. Dice Deception, ouais. Et quand j'ai vu le tour, j'ai imaginé quelque chose, et quand je l'ai reçu, c'était pas du tout ça. Et je me suis dit, ce que j'ai imaginé, vu que c'est complètement différent de Roll, du coup, je le sors. Donc, il y a des choses qu'on fait avec Roll qu'on peut pas faire avec celui-là, et inversement. C'est-à-dire, celui qui a acheté Roll, il va pas comprendre celui-là. Et celui qui a ça, il va pas peut-être comprendre Roll. Tout à fait. C'est pas le même tour. Hein. C'est pas le même c'est tour. Pas le même tour il y a les dés, il y a la prédiction écrite pareil. On sort les cartes de la même manière, c'est vrai. Mais moi, je joue sur les couleurs. Lui, il joue sur des cartes qui comptent. C'est à vous de voir. J'ai pas dit que lui est mieux que moi ou moi, je suis mieux que lui. Le sien, moi, je trouve le sien extraordinaire. Mais malheureusement, je peux pas faire le sien. Mais je trouve celui-là aussi pas mal. Donc c'est à vous de voir d'après votre réaction si celui-là vous plaît mieux que l'autre ou si vous voulez acheter les deux, vous pouvez aussi. On a tout en stock. Donc voilà, celui-ci parle du hasard. Je trouve ça qui est pas mal. Première coïncidence, on a le même chiffre. Ouais, c'est ça qui est fort. Deuxième coïncidence, c'est la même couleur. En plus, on l'avait vraiment écrit dessus. Et en plus, on avait vraiment dessiné dessus le dé. Donc il y a gens, ça, et ça. Et en plus, à la fin, on montre que vraiment le jeu est complètement bleu. Alors qu'il n'y a qu'une seule carte jaune, c'est celle-ci. Pour les gens, c'est vrai que ça paraît impossible. Voilà. Voilà, ça c'était le nouveau tour qui s'appelle Hasard. Maintenant, à vous de voir. Alors, petite précision, c'est pas parce qu'il a choisi ça, Jérôme, que ça sera la meilleure sortie. Si vous choisissez rouge, la carte sera rouge. Si vous choisissez jaune, la carte sera jaune. Si vous choisissez vert, la carte sera verte.
C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est perturbant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça sera toujours marqué, si vous avez choisi 5, ça sera toujours le 5. Si j'ai choisi 6, ça sera marqué 6. Ce qui est incroyable et ce qui perturbe, c'est qu'on regarde, on voit bien 52 cartes. On peut les examiner. Elles sont toutes... c'est pas des moitié-moitié, c'est pas des cartes... Je sais pas quoi vous dire. Et de l'autre côté, on étalera, ça sera toujours bleu. Et c'est ça qui est bien, on voit bien toutes les cartes en entière. Donc le jeu est bleu d'un côté. On voit bien toutes les cartes, on peut les examiner une par une, il n'y a pas d'embrouille. Et la carte, elle sera de la seule carte de différentes couleurs qui correspondra aux dés qu'ils vont choisir librement, sans choix équivoque. C'est ça qui perturbe, c'est ça qui est bonnard. Et c'est ça que j'ai pensé, donc voilà. C'est différent de Roll, je le répète. Ça se rapproche au niveau des façons de faire, mais il y a des choses que je fais moi qu'il ne peut pas faire lui, et inversement. Voilà. Maintenant, à tout bientôt. J'ai oublié de dire, pardon. Bien ou bien? Allez, merci. Bye bye.